Salut à toi, jeune aventurier. T'es ici pour regarder mon aventure? Pour me voir farmer et suer? Tout ça dans le seul but de casser la gueule au reste? T'es au bon endroit. Alors je vais t'expliquer vite fait les règles. L'HDV, c'est que pour vendre, sauf dans 3 cas. Pour acheter des familles level 50, si je l'ai déjà. Améliorer les chasses de mes épiques reliques que j'ai déjà droppées. Ou bien acheter des potions de butin. Sinon, c'est que de la vente, pas d'achat. Deuxième règle, pas d'aide d'autres joueurs, excepté les quêtes obligatoires. Et troisième règle, dès qu'on commence une tranche, on doit l'optimiser avant de passer à la prochaine. Objectif? Progrest. Basique. Simple. Et pour suivre l'aventure, tous les jours à 14h sur mon Twitch. Ok, c'est parti. On va essayer de choper les derniers archimonstres. Donc l'archimonstre Abrachnid et l'archimonstre Pio. Comme ça, après, on pourra crafter les capes de voyage. Autre objectif, tous les métiers level 20. On va essayer de tout faire, surtout les métiers de récolte. Et les métiers de récolte, on va sûrement les augmenter sur les deux personnages en même temps. Oh, parfait, pied plus l'artilleur. Let's go, ça c'est vraiment cool. Pitch, pitch. Allez, petit drop. Rien du coup. Mais la quête. Oh. Toi. Nice, un petit nom de goule. Moi. Oh. Oh oui, c'est bien ça. Pas de drop là, tant pis. Piche, piche. Ok, nice. Wow, triple glue là. Oh. J'ai pas tué. Rien. Piche. Du désir aux boules. Ouais, c'est pas fou, hein. Ah. Ah ah ah. Ça part sur les nids directs, hein. C'est lui qui la drop. Non, mais j'ai que des câbles, je foutais le... Oh yeah, j'ai eu un deuxième casque. Oh, un casque. Non, juste un seul. Bon, voilà, fin du jour 2, on a joué 4h30 à peu près. Un peu moins, à peu près. À peu près 4h. Résumé, on a essayé de trouver les archis, on a trouvé que le Pew. Là-bas, on n'a pas réussi à trouver. On est un peu plus de 50, on n'a vraiment pas XP, on a juste fait les métiers. On est à peu près 20 sur le métier de récolte, sauf pêcheur. Et sur l'autre personnage, on est un peu moins. On n'a pas fait forestier parce que c'est un peu long aussi. On a bien monté. On va bientôt pouvoir commencer à crafter nos panoplies level 20. Et voilà, tout simplement, on a un peu avancé sur les quêtes environnementales. On a fait quelques glues, donc on en a 2500, donc on a bien avancé. Les ressources de matière, elles sont là. Et on a encore quelques équipements, on a droppé quelques bons équipements en faisant les quêtes d'archimonstres, enfin les quêtes avant les archimonstres, donc on a droppé des casques 1 PO, donc Insane, on a droppé 2. J'ai bien voulu un troisième, mais c'est déjà très bien. Et voilà, on a fait quelques larmes de graisse qu'on va pouvoir les vendre. Et Insane. Jour 3, commencement, c'est parti. On se retrouve sur Zenith Wakfu, on est en train de faire des builds de distance et mêlée pour les personnages level 20. Et en fait, on va se... faire une liste des ingrédients qu'il faut à crafter. Du coup, on fera 5 panneaux de distance, une panneau mêlée. Et la même panneau sera pour level 35. On nous changera peut-être un ou deux trucs.
Genre le casque PO que j'ai droppé, je le mettrai. Autre objectif du jour, on va essayer de faire les Stasi 5 donjons 20 à 35. Si on a eu le temps de finir les stuff. Sinon, c'est tout. Alors, une chose que je suis en train de me dire aussi, ce que j'allais rajouter en défi, dans les règles, c'est que j'avais mis comme règle que je pouvais acheter les épiques reliques que j'avais déjà. Exemple, si j'avais eu 6 anneaux de satisfaction sur ma team, j'aurais pu racheter des anneaux de satisfaction pour améliorer les runes. Mais si j'ai qu'un seul anneau de satisfaction droppé, je pourrais améliorer les runes que sur cet anneau de satisfaction et les prochains que j'achèterais. Je pourrais pas les avoir sur mes autres personnages. En gros, faut que je drop 6 fois la relique si je veux les mettre sur toute ma team. Et je voulais faire la même chose sur les items droppables sur les archimonstres et les mobs de quête d'archimonstres. Et comme les items qu'on peut avoir qu'une seule fois, comme les items qu'on peut avoir avec la boussole dans Astrup. Ça va aussi compter en fait, tous les items qu'on peut avoir qu'une seule fois. Indominant. Satis. Pucci. Oh, c'est lui. Let's go. Ouais. Putain, c'était dur à l'avoir ce con. Ok, let's go. Ok. Désir pour le... Ok, moi c'est Sacrière, bonsoir. Ouf. J'ai rien eu là. Rien eu. J'ai bien eu. De blé. Pourquoi faire c'est good. Ça c'est du farm, ça aussi du farm, et le reste c'est de la merde. Et puis de blé, fleur sentimentale. Ok. Petite pause. Oh non, sur le truc bugué. Oh non, trop le seum. Bon, je reviens. Oh, petit blé d'or. Parfait. Oh. T'as un seul fichier. Ça marche. C'est mieux de dire le bon pseudo quand même. Hop, 25. Je fais 6 coiffes, je suis un connard. Tant pis. Let's go. Hop, x 5. Ok, parfait. Ça x 5.
Bon voilà, on a fini le stuff 20, donc on est en full chine larve sur les distances. Avec épée de tofu et dague de bois saï, on garde l'anneau du trouble et n'importe quel anneau, enfin, on met anneau bouffe-tout, anneau tofu, on s'en fiche. Parce que les anneaux vont gagner 2 de maîtrise, donc pas foufou. Et les chasses, on s'en fiche un peu vu qu'on a pas vraiment beaucoup d'éclats, donc on mettra juste des éclats sur Ennis, Adi et Lio, vu qu'il n'a pas distance, et le reste, on s'en fiche un peu, je pense. Donc voilà, on a bien farmé, et du coup, maintenant, on va pouvoir aller faire les donjons S5. Donc ça va être rôle sacré, on va mettre un petit peu ce qu'on a drop, donc casque d'Osamosa, Dracnil, Visqueuse, on va mettre des items random et après le reste on mettra c'est les items du héros qu'on peut acheter au PNJ à Magma. Pardon, le croupier se trouve à Zenith, ici juste avant de faire le petit boss avec la grotte où il y a la boule, donc faut aller là pour acheter les items qui vont pour les mêler, parce que je vais mettre pour pas trop m'embêter. Un crabe, c'est jamais qui va m'écouter, hein. Un chacha, chacha de caillasse, ok, et croquette de croissance, deux croquettes de croissance, pas fou. Zip-lop. Je tape autant avec mon ennemi là. Quand j'avais mon ennemi à level 50. Aïe aïe aïe. J'ai vraiment des stuffs de Dobé. Hein. GG. Les petits Stasis 5. 80 jetons, 40 et 20 je crois. On est good. Et 5. Et c'est parti. Oh con, j'attendais pas à celle-là. Allez, un petit anneau de satisfaction, là je suis au bonheur. Oh j'ai... Oh, j'ai trouvé un crabe. Oh un crabe et un scarafon, let's go. Alors ça Dida, ça prend ta meilleure maîtrise distance ou mêlée. Et ça prend ta maîtrise élémentaire. Et toutes tes stats de dégâts crit et tout. C'est ce que ça prend. Osamodas, je crois que ça prend d'autres choses en plus. Ça dépend aussi je crois. Ça dépend des invocations. Sadida je connais pas trop. Je peux pas. Enfin Osamodas c'est trop compliqué. Enfin, il mourra de ma glyphe. Allez, une autre satisfaction. 9. Bon, XP, je suis déjà à la tranche 65. Ok. Une petite pierre. Ah. Pas que moi le général. Déjà 70. Oh, au secours, je suis trop level d'un coup là. 70. Ouh. Sadida, cap du voyage. Mama! C'est parti les potes. De voyage. Ok, insane. Donc c'est ce qu'on va se faire demain. Cap de voyage. Du coup maintenant on a fait ça. Faut que j'aille chercher une autre quête sur l'ennemi maintenant. Ok YouTube, fin du jour 3. Du coup, récap métier. On est monté à peu près level 20 partout. Sauf cuisinier, boulanger, ébéniste, on s'en fout un peu pour l'instant. Ébéniste plus tard pour comment ça s'appelle, les invocations, enfin les incantations. Du coup on a bien farmé, on a les stuff Shinnarf sur tous les persos sauf le Sacri. Le Sacri on va aller acheter son stuff quand on ira à Zenith. Au croupier ici, les stuff level 20 qui sont vraiment pas mal. On n'aura pas besoin de plus, ça va juste nous coûter des jetons, on s'en fiche, on n'en fera rien de toute façon. On n'est pas full 4 chasse, mais on a les bons stuff, donc c'est cool.
On n'a pas envie de s'embêter plus à farmer des ressources rares qui sont déjà un peu galères. On a droppé des surimi, donc j'avais à peu près 400 000 kamas, donc j'ai pu en acheter deux. Donc j'ai deux personnages avec des familles 50 déjà. Donc, insane. Dernière chose, on a maintenant le craft de cap du de voyage. Donc c'est la prochaine chose qu'on va faire. Donc demain, on aura les caps du voyage. Et on va faire tous les donjons en stasis 5. On a déjà fait Abracnel et Tofu Royal parce que c'était les quêtes du jour. Et demain, on va refaire les quêtes du jour et finir tous les donjons 20-35. Comme ça, on peut passer à la tranche 50. Je crois que j'ai tout dit. Je refais un petit tour des coffres pour voir où on en est. On a 27 larmes d'Ogrest. On n'a pas droppé de nouvelles... nouvelle sublimation. Et sinon voilà tout. On a un petit peu de glou, on va peut-être les vendre. Et on n'est toujours qu'à une seule abrogème jardin. Mais sinon let's go. Ça aura farmé un petit peu d'éclat à un moment, donc je suppose qu'on va essayer de faire un donjon à 3 persos ou je sais pas trop où on va farmer ça. Donc voilà tout. Donc, demain donjon 20-35 stasis 5 et après demain on va commencer à farmer les stuff 50. Les stuff 50 qui seront aussi utiles pour les stuff 65 et il nous faudra les bottes coco qu'on va essayer de faire. Je sais plus la cape de voyage c'est quoi, c'est une épique. On va mettre bottes coco cape de voyage et après plus tard on enlèvera cape de voyage et on mettra sûrement l'anneau 65, l'anneau insangé sûrement, mais on va peut-être pas en farmer 6, ça va être long. On va peut-être en farmer 3 je pense, voire 4. Il faudrait Elio, Sadi, Eni et Sacri. Le reste on s'en fout un peu. PK sera juste un support bientôt, et le panda aussi. Et tous les autres personnages, on veut bien qu'ils aient un petit peu plus de PA, donc c'est cool. Bon voilà tout.